Et tip-top dans la forêt, elle est soufflée un peu. Et tip-top dans le grand champ. Et tip-top par-dessus là. Et tip-top, tip-top dans le jardin de la grand-mère. Ah ben elle était dans son jardin, sur son banc à nouveau. Oh, voilà ma petite marmite. Tant mieux, il soulève le couvert. Oh, c'est prêt. À ce moment-là, voilà la petite marmite qui se remet à parler. Et vous savez ce qu'elle dit, la petite marmite? Il est temps pour moi d'aller tip-topper. Et tip-top dans la maison. Et comme la porte était ouverte, la petite marmite, elle est partie plus loin. Et tip-top dans le jardin. Tip-top. Et tip-top par-dessus la haie. Et tip-top dans le grand champ. Et tip-top dans la forêt. Et là, dans la forêt, la petite marmite s'est arrêtée devant la porte d'une auberge. Elle est partie et elle a marché. Elle a marché longtemps sur les chemins. Elle a marché dans les bois. Et puis, un jour, elle est arrivée dans un village qui était un petit peu, où toutes les maisons étaient un petit peu comme la sienne. Toutes tordues, toutes moussues, avec des trous dans les toits, des fissures dans les murs. Alors devant chaque porte de chaque maison, elle a déposé un peu d'or, un peu d'argent, un peu de pierres précieuses et de diamants. Et quand sa marmite a été vide, elle est rentrée chez elle. Dans la neige à la recherche d'un petit toit, deux ou trois feuilles pour se cacher, un petit trou pour se nicher, mais dans ce bois, eh ben, y a rien. Y a que du blanc partout, c'est humide, c'est froid. Tout à coup, le petit mouton, il aperçoit quelque chose de bizarre dans la neige, il s'approche. C'est une moufle, une belle grosse moufle de laine, bien. Le petit mouton, il saute de joie, il dit chouette, là, ma maison, mon petit chez moi. Et le
l'intérieur de la mouffe.